va? Bienvenue à mon canal et aujourd'hui j'ai une vidéo sur comment couvrir les imperfections dans notre visage ou dans mon visage, spécialement maintenant qu'on va avoir beaucoup de fêtes, on va voir Noël et on va voir aussi un nouveau année. Donc je crois que de temps en temps on a ces imperfections dans notre visage et donc je vais vous montrer comment je couvre ces imperfections en mon visage et on va commencer avec ce vidéo. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà pris un bain et j'ai lavé mes cheveux. Donc, je vais commencer par appliquer cette crème de Estée Lauder. C'est une crème pour fermeter le visage et le cou. Je vous recommande beaucoup cette crème. Donc, je vais faire des massages sur mon visage. Aussi, je vous recommande d'appliquer une crème ou un primer avant d'appliquer ou faire votre maquillage. Donc, ça va protéger votre peau. Et je vais commencer par appliquer ce correcteur vert de Maybelline et je vais couvrir mes petites imperfections que j'ai. Et après, je vais faire la même chose, mais je vais faire ça avec du correcteur orange. Ça, c'est aussi de Maybelline. C'est un crayon correcteur de teinte. Et après, je vais disséminer très très bien. Je vais faire la même chose avec le correcteur vert. Je vais disséminer avec mes mains. Vous pouvez faire ça aussi avec un pinceau, mais pour moi, c'est plus facile de faire avec ma main. Et je le vais faire comme ça, comme vous pouvez voir, et disséminer très très bien. Et après, je vais appliquer ma base favorite de L'Oréal. C'est le Infallible Pro Matte. Le numéro que je utilise, c'est le 105. Et donc, je vais disséminer très très bien. Aussi, un petit truc que j'ai. Si la première fois que vous appliquez votre base ne couvre pas vos imperfections, voici mes sourcils. si ça ne couvre pas votre imperfection, je vous recommande d'appliquer un petit peu plus de base. Donc, je vais appliquer ce correcteur aussi de Maybelline et je le vais disséminer très très bien. Après, je vais contourner mon visage avec la palette de Elf. Je ne sais pas quoi autre de palette pour le contour je peux acheter. Je suis en train de chercher une autre marque et je n'étais pas fâchée ici, je ne pouvais pas ouvrir cette palette de BH Cosmetics. Je n'ai pas fait un maquillage vraiment dramatique puisque je vais aller faire des autres choses, mais je suis en train d'appliquer cette mascara de Revlon. Et donc après, je vais appliquer un petit peu d'illuminateur de Wet n Wild 320 sur mon visage. Et après, je vais appliquer ce matte lipstick de NYX Lingerie. C'est la couleur Lipli et le numéro c'est le 12. Aussi, je veux vous inviter à aller voir mes réseaux sociaux. J'ai toujours des Instagram stories et donc je vais vous laisser le link ici en bas. Donc ça c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Aussi, si tu n'as pas souscrit à mon canal, je vous invite à que vous le faites. Et je vous vois dans une autre vidéo. Au revoir.